Ô Esus, dieu de la guerre, Teutatis, dieu protecteur de notre peuple, toi, Sucellius, dieu de la vie et de la mort, et toi, Epona, déesse cavalière, ô divinité, donnez-nous un signe pour connaître l'avenir de notre clan et connaître ceux qui gouverneront nos terres. La lune. Pour les habitants de l'époque, les visions de leurs druides restaient mystérieuses et fantaisistes. Car bien évidemment, jamais des animaux, même aussi organisés et rusés qu'une meute de loups, domineront le village. Pour nous, qui avons un recul historique, nous savons que cette lune représente la mère nourricière de Romulus et son frère jumeau Rémus, les fondateurs de Rome. Ce sont d'ailleurs les légions de Rome qui occupèrent nos terres jusqu'en 406 après Jésus-Christ. Leur présence a fondamentalement modifié les structures locales pour donner naissance à la civilisation gallo-romaine. La cité d'Helvetum, à la sortie de notre ville, témoignait de ce bouleversement dans la vie de notre région. Mais ceci est déjà une autre histoire.